Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On va briser un PA bon, sur une cape du Valet Vénard pour changer. Hein. C'est vraiment un item que j'ai pas du tout FM beaucoup récemment, donc c'est bien, ça fait un peu de variété sur la chaîne, c'est très agréable. Donc écoutez, let's go. La sagesse est très basse. Le reste est plutôt ok. En vrai, on va pas ça, hein. On va essayer de se stabiliser autour de 40 sur la sagesse. Il y a pas mal de prospections, il faut espérer que ça tape un peu dedans. Ouais, les esquives PM sont en sous-G. Le tacle est en sous-G. Décidément. Le G là est déjà très très bas. Je vous avouerai que je suis assez inquiet pour la suite. Je vais monter ça un petit peu. On va monter ça comme ça. Ouais, le crit qui met bien. La sagesse qu'on va. On va essayer de osciller autour de 40 autant que possible. Je vais remettre deux par époux. Je vais juste pas rester en sous-G en fait là-dessus. Ok, les deux R pareil. Hop, en espérant que ça tombe assez vite quand même. Bon, en vrai, c'est pas trop mal pour l'instant. La J, je vais la laisser là, ce sera plus facile de la retoucher après si j'ai besoin. Ouais. Tacle. Oh, j'ai envie de rage. Ouais, non, c'était là. Ok. Hop. Ok, on tape dans la PP, c'est bien, ça remonte un peu le G. Retrait PM qui passe en sous-G. Mais là, le truc, c'est que le PA, il met une éternité à tomber, c'est pas bon, ça. Tout le G, il est en train de se casser la gueule, là. Le PA est confiné, les amis. C'est vraiment, vraiment une lucky. Je reste en 61 là-dessus. On va essayer d'aller chercher les 61. On a l'invoque. Très bien. En vrai, on va pas la remettre tout de suite. Hein. On la remettra après le PA. De toute façon, maintenant, autant aller au bout de l'idée. Allez, on va pas laisser ça en sous-G. C'est pour ça que moi, enfin, bon, je peux rien dire. En vrai, c'est ok. Ok, plus de puits. Il faudrait que le PA tombe maintenant. Là, il faut vraiment que le PA il tombe vite. Aïe 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 les amis, c'est compliqué. Ouais, et il veut pas tomber. Hein. Il est posé, il vit sa meilleure vie, il bouge pas. La J qui arrête pas de passer en dessous des 60, non, mais c'est abusé en vrai. Il est scotché à l'item le PA. Je me suis fait pranker en fait. Y a pas de PA sur l'item depuis tout à l'heure en fait, c'est juste on m'a photoshopé mon écran en fait, c'est ça qui se passe. Cette technique là. Go balancer des grosses runes maintenant. De toute façon, ça fait tellement longtemps que le PA est là et que le G est défoncé. Hein. Maintenant, c'est un peu compliqué. Écoutez, pas de chance, ça va devenir. Hein. J'ai la note à cap, on me dit, bah, ça m'a l'air bien parti, effectivement. On va remonter la sagesse quand même. On va essayer de faire ça jusqu'au bout. Hein, mais déjà, le G de base en 32 sagesse, ça régale pas. Alors en plus, avec le PA qui bouge pas. Non, le PA ne veut pas décaler. Il vit sa meilleure vie de. C'est un exo-PA, il est là, il est posé. Il attend. Il se régale. Après, plus je pars d'un G bas, plus je peux bidouiller les congruences pour avoir du perf. Hein, faut être positif. Hein. Mais là, il va nous falloir quelques. Je crois que même un miracle, ça ne suffira pas. Il faudra peut-être deux ou trois miracles sur le FM. Ah, c'est abusé. De l'abus. Bah super, oui. Fallait prendre ton temps, hein, petit PA, t'étais pas obligé de tomber aussi vite, hein, si tu veux. Hein. Bon. Ok, on a un reliquat ici. Bon. Comment dire? Ouais, un pote qui peut faire peut-être une tarte à PA là-dessus. Bah, good luck. Hein. Moi, j'ai mes problèmes à gérer de mon côté, si tu veux. Chacun sa merde, comme on dit. Ah bon, on va commencer par l'over. Allez hop. Hop. Mais là, ça, c'est abominable. Hein. Bon, la Vita. J'ai 14 à dégager. Et si j'y vais à la pavie, je me retrouvais emmerdé. En vrai, je peux y aller comme ça, je pense.
On voit pas grid parce qu'il y a déjà tellement à remonter qu'on va se contenter de ça. J'aurais aimé over et aller chercher aussi perf que possible, mais là, le G il est déjà tellement massacré qu'on va pas abuser. On va y aller comme ça. Sur mon item, moi j'aurais fait over vita pour chercher un truc un peu plus propre, mais bon. Moins 12. Ah, il va nous falloir du crit, hein. Déjà là, c'est chaud, hein. Ouais. J'ai moins 16. Bah, il me reste 2, bah c'est super. Écoutez, il faut crit Pado, crit Rasa, crit Invo. Bon, c'est quoi sur une vie? On va commencer par Pado, et ensuite on fera Invo, et ensuite Rasa. Comme ça, si la Rasa elle fait tomber l'Invo, on pourra encore avoir une tentative de la repasser. Et non, pas de crit Pado. Pas de chance les amis, vraiment là on s'est fait boulos par le PA mais vraiment d'une façon absolument abominable. Bon ça arrive. Ça arrive, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter, etc. etc. J'essaie de lire vos commentaires et d'y répondre. Bonne soirée!